la vidéo tant attendue, mesdames et messieurs. Je m'appelle Alcon et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de personne. Parce que je n'ai pas d'amis, les amis. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment protéger votre cœur faction 100% impiable, selon mes calculs mathématiques. Bien sûr, ceci était avant l'update de des Aqua Creeper, etc. Malgré qu'ils ne fonctionnent toujours pas. Il faut retrouver les nouvelles techniques, mais c'est quand même des très bonnes techniques. Donc, comment je vais faire, les amis, pour vous expliquer ça, c'est très simple. Je vais me rendre à un endroit, je vais vous expliquer la technique impiable, celle la plus sûre et que personne a fait déjà, sauf une team, et je vais quand même la féliciter, vu que c'est grâce à eux que j'ai réussi à découvrir ce magnifique bug. Donc, je me téléporte à un endroit précis, les amis, et je vous reviens. Si je vous disais que je suis à l'endroit précis où ce que notre cœur peut être impillable, donc vous allez me dire, Icon, c'était dans ton AP. Et oui, les amis, dans mon AP. Pourquoi dans mon AP? Parce que les AP, c'est un endroit que vous auriez jamais pensé où ce que le cœur aurait pu être, mais il aurait pu être ici. Donc, si, par exemple, je vous donne un exemple tout stupide, vous mettez votre cœur ici, ok? Vous mettez tout ça en Space Obsidienne. Tout ça en Space Obsidienne, vous barrez ensuite autour du cœur. Donc, par exemple, le cœur est ici, vous mettez des blocs de Space Obsidienne tout autour. Au-dessus de la Space Obsidienne, vous mettez juste une couche d'eau. Une couche d'eau, les amis, et le cœur est impillable. Vous voulez savoir pourquoi? C'est très simple, parce que nous ne pouvons pas crash-co la Space Obsidienne. Et de toute façon, si on arrivait à crash-co la Space Obsidienne, il y aurait plein de couches pour pouvoir passer à travers, ok? Et comme vous voyez, c'est 128 explosions pour un cœur. Donc, en plus d'utiliser toutes les creepers sur votre Space Obsidienne, ils auront besoin de 128 creepers pour péter votre cœur, ce qui devient impiable. Imaginons que tout ça, c'est de la Space Obsidienne. Je rajoute juste de l'eau ici. Boum. De l'eau dans le coin là. De l'eau dans le coin là. Je les fais toutes connectées et ma base devient impiable. Et oui, les amis, c'est aussi simple que ça. Par exemple, faut savoir un truc, faut pas faire d'entrée ou de sortie comme ça. Faut vraiment juste avoir un setombe dans le cœur, comme moi. Moi, je vais vous montrer. Donc, moi, j'ai un setombe directement au cœur. Il n'y a aucun accès au cœur. C'est vraiment juste. Oh, pareil. C'est vraiment juste dans le cœur qu'on a. Et ici autour, comme vous voyez, il y a de l'eau au-dessus. Comme ça, c'est impillable. Maintenant, bon. Maintenant, peut-être que c'est pillable avec la TNT aquatique. Mais ce n'était pas. Malheureusement, la TNT aquatique et le creeper aquatique ne fonctionnent pas présentement. Donc, comme vous pouvez voir, ils sont désactivés. Donc, voilà, ils sont en cours de bug de résolution. Donc, ça, on ne sait pas combien de temps ça va prendre avant qu'ils soient activés. Et de toute façon, ça coûte tellement cher, les amis, pour crafter un truc. Donc, pour crafter une TNT aquatique, selon mes calculs mathématiques, ça vous prend 1, 2, 3, 4, 5... Ok, 5 fois 8, donc ça vous prend 5 fois 8, environ 9 blocs de tita, environ 9 blocs de tita pour crafter un, ouais, c'est exactement 9 blocs de tita pour crafter 8 TNT aquatiques et ensuite un creeper, donc ouais, presque 9 blocs de tita, je suis pas 100% sûr de mon calcul, mais je pense que ça doit être environ 9 blocs de tita, donc si vous faites le calcul par vous-même, vous pouvez me le dire dans les commentaires, ça serait super sympa. Donc ça, c'est vraiment une des façons qui était le plus cheat. Maintenant, je sais pas, par exemple, je dois vous avouer, je sais pas s'ils l'ont patch ou pas, cette façon-ci. Moi, ils m'ont dit de pas release la vidéo, ils m'ont dit, hey, Icon, on doit vraiment corriger ça, c'est vraiment trop cheat. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, ne pas le... mettre ta vidéo, donc j'ai dit ok, mais aujourd'hui je fais la vidéo parce qu'il y a les creepers aquatiques et ça reste quand même difficile à piller, même avec les creepers aquatiques, ça va vous coûter extrêmement cher comme j'ai dit. Si on fait 14 creepers aquatiques pour casser à travers la Space Obsidienne, ça nous revient à quasiment plus d'un stack de blocs de titan, les amis, pour faire juste péter 12, une Space Obsidienne, ce qui est 12 coups de creepers, donc c'est quand même énorme. C'est quasiment impossible à faire, les amis. On va pas se mentir, c'est impossible à faire. Plus de 64 blocs de titan, les amis. C'est stupide si vous dépensez autant pour péter un Space Obsidienne. Donc, ensuite, je vais vous montrer la deuxième technique pour bien protéger son cœur. Si la protection que j'ai fait pour mon cœur à moi, je peux peut-être continuer à aller par là, mais de toute façon, ça ne servirait à rien. Premièrement, il y a 5 couches de pierre de métier de chacune des côtés. Chaque 5 couches. Et ici, ensuite, on a un cube. De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 par 1, 2, 3, par 16, si je ne me trompe pas. C'est 13 par 16, donc un claim complet de Space Obsidienne et le cœur est en dessous. Donc vraiment, bonne chance pour piller ça, quoi. Malheureusement, comme j'ai dit, avec les creepers avec de l'eau, c'est possible. Mais descendre en ligne droite avec les creepers ensuite, oh là 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 là, ça va coûter cher
Ça va coûter très très cher même. Et déjà, il faut commencer à faire un canon à sable. Sinon, il faut faire un canon à sable. Il y a une façon de piller ça. C'est que vous cassez les 5 couches de pierre de métier. Donc déjà, c'est des stacks de TNT vu que c'est 8 explosions par minerai. Donc 5 x 8, voilà, vous avez le nombre de TNT que ça vous apprendrait. C'est sans compter si vous arrivez à faire un canon, sachant qu'il y a 70 claims juste ici autour dans ma base. Non, attendez. Ouais, il y a pas 70 claims parce qu'on a notre farm et on a ça ici. Donc, attendez, je crois que c'est 60-30. Donc, il y a environ 60 claims ici. Un truc comme ça, je sais pas exactement, les amis, là, le nombre de claims. Mais disons qu'il y a beaucoup de claims, ok? Il y en a beaucoup parce que je sais que c'est... on en a séparé 50-50. Donc, voilà. Mettons qu'il y a 50 claims, ok? Par exemple, ici. Ben, vous devez passer à travers 50 claims avec votre canon. Ensuite, faire un canon à sable qui va bloquer tout le sable ici pour pouvoir péter avec les creepers normales. Vraiment, bonne chance pour réussir à faire ça. Ensuite, ici, vous pouvez essayer de faire un usebug void. Usebug, qu'est-ce que vous voulez? Il y a une protection anti-usebug void, donc je vais vous montrer. Whoop-a-lin. Home base. Je vais vous montrer qu'il y a un usebug anti-void. Je vais regarder quand même qu'il n'y a aucun choix. Voilà, donc si on fait... Ah, mais je vais être capable de le reposer après. Je sais pas si je vais être capable de le reposer après, mais regardez. Il y a l'aspect obsidienne des barrières pour anti-usebug void. Donc vraiment, pour le coup, ce cœur-là est vraiment impillable. C'est mon cœur à moi, les amis. Ça fait plus de un mois qu'on l'a. Il n'a toujours pas été pillé. Donc, c'est le cœur qu'on a utilisé durant 50% de la deuxième partie de la version de la saison, plutôt. Donc voilà, si vous voulez savoir, ça récolte quand même pas mal de points. Je vais vous montrer vite fait. Donc 500 points que j'ai récupéré. Ici, il y a, comment il s'appelle, moi qui ai récupéré les points encore. Ensuite, il y a Itwix qui vont attaquer les cœurs. Regardez, en 200 points, 1000 points. Le minimum, le plus que tu peux avoir dans un cœur, c'est 1000 d'ailleurs, je rappelle. Donc si vous avez plus de 1000 points dans votre cœur, ça sert à rien. On a vraiment ce cœur-là depuis vraiment longtemps, depuis l'ancienne saison. Donc voilà. On verra ce que ça donne, les amis, mais je vous ai présenté la meilleure technique pour défendre votre cœur. Ensuite, je vais vous montrer une autre technique. Je le fais tout de suite. À tout de suite. L'autre technique, les amis, c'est le cœur dans les airs. Mais comme vous pouvez voir ici, je suis dans le claim de la French Faction. Donc, on va faire Fresh French Faction, pardonnez-moi. Ils jouent plus beaucoup. Ils se sont fait attaquer. Ils se font attaquer toujours parce que, justement, leur cœur, il est très mal fait à cause des claims autour. Comme vous voyez ici, il y a quand même beaucoup de claims autour, mais il y a plusieurs façons de piller ces claims-là. Comme vous voyez, on peut créer des tours. Ils perlent dessus les coffres, ensuite perlent là-dessus. Ils ont vraiment mal fait leur truc, en fait. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait que le cœur, il est hyper mal protégé. Mais si vous vouliez, par exemple, faire un cœur comme ça, ça vous prendrait... deux factions, donc ça vous prendrait 70 claims de votre faction et 70 claims d'une autre faction tout autour de votre claim de faction. Pour là, qu'est-ce qui va arriver en faisant ça? Il va falloir que la personne fasse un canon TNT Fly plus perles sur votre cœur à la couche 250, qui est la limite. Maintenant, c'est 250 à la limite, donc si vous saviez pas. Donc, ça serait impossible quasiment à faire, les amis. Donc, personnellement, je vous conseille pas de faire celui-ci, mais quand même, je voulais quand même vous montrer les trois techniques les plus populaires pour faire vos cœurs de faction. C'est celle que je vous ai montrée entourée de Space Opsi. Il y en a beaucoup qui font l'erreur de la faire avec la pierre de métier, mais comme vous avez vu dans le pillage que j'ai fait de la lunatique, si je me souviens bien, on a réussi à usebug la pierre de métier. L'autre côté, il y avait de la pierre de la Space Obsidienne, mais c'était la plus grosse erreur qu'ils ont pu faire parce qu'on a pu usebug Crashco, je veux dire, le creeper à l'intérieur, Crashco allumé, heal le creeper et pouvoir faire péter la pierre de Mété. Et ensuite, c'était plutôt facile parce qu'on a juste eu à passer comme une drill dans un clou et nous sommes littéralement détruit le cœur plusieurs fois. On le fait de la même chose deux fois pour le cœur de la lunatique. D'ailleurs, rest in peace Verpal. Mais quand même, vous voyez ce que je veux dire. C'était vraiment pas une bonne façon et c'est vraiment pas une bonne idée de mettre la pierre de météorite, les amis. Vraiment, faites pas ça. Mettez aucune pierre de météorite parce que la pierre de météorite est crash-co. Donc, si vous voulez me faire mettre de l'eau sur la pierre de météorite, votre base est déjà pillée, quoi. Oubliez ça, c'est déjà pillé. Aussitôt quelqu'un qui trouve votre claim, surtout que la map sur SkillPP fait seulement 15 000 par 15 000, on est dans les entours là. Donc c'est très petit pour 600 joueurs tous les jours. C'est quand même très chaud. Mais si vous mettez la Space Opsi de l'eau par-dessus, Space Opsi, Space Opsi, Space Opsi, cœur, Space Opsi, Space Opsi, Space Opsi, vous allez être capable, les amis, bien sûr, d'être quasi impillable. Parce que je dis quasi, pourquoi? Parce que le problème vient des creepers aquatiques. On sait pas leur force encore. Ils viennent tout juste d'être release, les amis. Donc, on sait vraiment pas. Ça peut être super bien, comme ça peut être de la grosse merde. Faudrait les tester. Et d'ailleurs, comme je vous ai dit, si vous voulez péter une Space Obsidienne avec le truc, ça va vous coûter plus de 64 blocs de titan pour crafter masse 2, dans le fond. Comment ça s'appelle? Masse de TNT aquatique pour ensuite les transformer en creeper. Le seul truc qui peut vous coûter moins cher si vous voulez faire ça, c'est si vous utilisez la TNT aquatique à la place
des creepers. Mais la plupart du temps, comme j'ai dit, les canons à sable, les canons TNT boost, puisque vous pouvez faire des gros canons et tout, vous pouvez quand même vous rendre avec la TNT, mais 70 claims, si vous entourez 70 claims autour, aïe, c'est chaud quand même de faire ça. D'ailleurs, moi, je vais devoir agrandir ma farm, comme je vais devoir rapetisser les claims de ma farm, donc le château, on va devoir le unclaim et claim notre cœur un peu plus, parce qu'on savait pas que c'était... Tiens, là, je vais pas vous mentir, les amis, on avait fait peut-être 30 claims, même pas, va falloir en rajouter un peu plus, parce que, bon, comme vous voyez, avec la TNT, on veut pas se faire niquer. Donc, voilà, c'est ça que j'avais à vous dire aujourd'hui, les amis, pour mes trois techniques. La première technique, vous pouvez quand même essayer de la faire dans la paix. Comme je vous ai dit, ça peut être bon. Faites attention que vos voisins aient pas de la TNT aquatique, parce que je sais pas si c'est patch ou pas. Les amis ne voulaient pas que je fasse la vidéo dans la paix, parce que justement, il y avait peur que les gens fassent des cœurs comme ça impillables. Mais maintenant, je pense plus que ça doit les déranger à cause des TNT aquatiques et creepers aquatiques qui ont rajouté. On peut péter les creepers dans l'eau. Donc, certes, le serveur devient de plus en moins de base impillable, avec l'aspect subtil qui devient un crash co, les creepers aquatiques, etc. Mais je trouve que c'est une bonne chose, parce que je trouve que ça va faire plus de pillages et il n'y aura pas de faction intouchable. Faudra vraiment bien protéger son cœur, être actif et bien jouer quoi. Donc voilà, c'est, je suis vraiment content que je puisse enfin faire cette vidéo là. Vraiment une vidéo que vous attendiez énormément. Maintenant vous savez comment faire un cœur quasi impillable. Je vais quand même mettre impillable dans le titre parce que bon, on va pas se mentir les amis, ça fait plus de vues. Donc voilà, si vous avez appris une nouvelle technique dans cette vidéo là, vous pouvez laisser un pouce bleu. Vous pouvez aussi partager la vidéo avec les membres de votre faction et la partager sur toutes les réseaux sociaux. Ça me ferait vraiment plaisir si cette vidéo là atteignait les 500 pouces bleus. Je sais que j'en demande beaucoup, normalement j'en demande 300. Et on les a même pas, mais 500 pouces bleus aujourd'hui, ça me ferait super plaisir pour cette vidéo inédite. J'ai jamais vu de vidéo qui vous présentait plusieurs techniques pour protéger votre cœur de faction. Donc voilà, je vous aime énormément les amis, c'est Tycoons et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.